Pourquoi ont-ils tué Jaurès ? Pourquoi ont-ils tué Jaurès ? Demandait Jacques Brel en 1977. Le leader de la gauche démocratique a été assassiné le 31 juillet 1914 par un prétendu patriote qui voulait débarrasser la France du risque pacifiste. Mais était-ce utile ? Quand on voit que tous les leaders socialistes ou anarcho-syndicalistes soutiennent l'entrée en guerre de la France, quand on voit que les socialistes vont participer au gouvernement du nom sacré, c'est vrai ça ? Pourquoi ont-ils tué Jaurès ? À vous, messieurs. C'est la guerre. Exécrons Jaurès. Jaurès, superstar. Tout le monde se lâche. La caste noire dominante fête son champion. On commémore le grand homme. Le génie. Au front de gauche, on célèbre. Et pour cause. Le martyr Jaurès a bien mérité de la caste barbare. Socialiste, Jaurès est le Bernstein français. Il est l'homme qui proscrivit définitivement le marxisme de France. Pacifiste, Jaurès est l'homme qui théorisa la guerre totale. Dans sa version démocratique, bien avant le nazi Ludendorff. Résultat, Jaurès ruina toute possibilité pour l'élite populaire de s'opposer à la boucherie inter-impérialiste de 14-18 par le défaitisme internationaliste. Il livra ainsi les millions d'ouvriers et de paysans français, pieds et poings liés, comme chair à canon pour la croisade anti-Boche. Qu'ils sachent que dans la fournaise, nous chantons la Marseillaise, car dans ces terribles jours, on garde l'international pour la victoire finale. On la chantera au retour. Vive l'Union sacrée, au nom du socialisme. Mais le vent a tourné. L'héroïque résistance marxiste échoua, faute de savoir ce que nous savons désormais. Que 1835 est le tournant de l'histoire. Avant, c'est la préhistoire sociale. Deux sociétés vivantes, contraires, identiques. Parentale, matérialiste et bourgeoise spiritualiste, dont nous sommes les héritiers. Après, c'est la société de mort, la barbarie intégrale dominante. De plus, parvenue à son stade terminal, qu'il nous faut abattre de toute urgence. À nous d'établir la société convenable. Cap sur le commanard. Jaurès est l'un des représentants les plus en vue de l'opportunisme en France. Lénine, l'État et la Révolution, 1917. À voter !
Parti masculin, ami frère, du tout nouveau peuple. 31 juillet 2014. Premier destinataire. Les Jaurès Odule. Front de gauche, parti de gauche, parti communiste français et associé. Front national, UMP, PS, Solidarité et Progrès, etc. Jaurèsologue, Société d'études jaurésiennes, Fondation Jaurès, etc.